Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur News Daily. Nous venons parler de un dernier sondage qui sorti là et qui justement et baillon verdict sur Sandra le job approval Biden position qui mettait de l'eau dans la bouche en pile démocrate. La vérité, là on regarde Trump tout ça gagne sous dol. Il gagne n'importe 4 procès ou ensemble d'accusations. Ou ta gagne tendance pour ta dit que c'est une élection gagnée d'avance, c'est pas même besoin à le faire, c'est ça le supposé. Eh bien, sondage qui sorti dans CNN justement lui montrer pas vraiment gain ça n'tarelé un véritable gagnant dans bataille ça. Que Biden toujours été impopulaire pour plusieurs raisons. Il y a un plus gros problème Biden a gagné pour le résoudre là. C'est perception que l'âge lui pas permettre lui faire job là. Comme quoi il pas fit. Il faut me dire que perception ça c'est pas seulement du côté des républicains mais surtout du côté des démocrates. En pile démocrate penser que monsieur gagne trop plage que monsieur pape ka rempli job présidence là. Sondage qui fait même montrer bien que ou gagne doit dire senti différence mais tendez bien. Yo montrer que Donald Trump nek côte à côte même pourcentage malgré tout procès avec Biden et gagne même dans sondage ça yo qui t'a bail Biden un petit pourcentage qui t'a bail Donald Trump un petit pourcentage en plus. Ou ka comprendre en pile moun yo dit que men comment ça se fait yo président en fait un ancien président qui bataille contre la démocratie. Comprenez bien oui, une élection fin fait, li lague moun dans la rue qui pour renverser qui fait autant de zag au niveau de taxes qui surévalué. Donc il est clair que l'on regarde Donald Trump c'est vraiment un candidat qui fait un bon qualité zak. Dans condition ça, moun yo vraiment difficile pour digérer que pour gagner un Donald Trump qui nek et au même c'est terrible. Hmm? Yo parle de 47-46 oui. 47-46. Alors que Donald Trump m'a rappelé nous gagne 91 charges criminelles dans 91 charges criminelles sous dol. OK. Gagne pile démocrate qui croit que gagne d'autres candidats dans mi-temps en fait dans famille démocrate là qui capable mieux représenter que Biden. OK. Qui t'a proposé pour ta gagner une autre alternative à Joe Biden. Mais laissez-moi dire que la difficile pour convaincre un nèg qui président pour le ta drop out pour le ta bail vague à un autre candidat. Et c'est là le problème parce que le président normalement au président pour gagner élection on dit à la bien, c'est son droit le plus entier pour le chercher réélection, il a tendance à chercher réélection. Comme nous en septembre 2023, à moins que tu aies des séries de bagarres graves, côté que Joe Biden t'arrive, il pas qu'à parler, il perdit la parole pour le tabayval. Mais ça, je voulais dire dans la vidéo, ça, pas oublier qu'il n'a pas de sondage qui sont dans CNN, nous connaissons que l'autre du CNN, son média qui plus penché vers démocrate, c'est mon média républicain, et sondage dit yo, et mes amis présentaient une image pessimiste. Des situations. Hein? Malgré que Biden ait fait des efforts capables de dire en matière d'emploi, taux d'emploi de descend, même inflation continue de descendre dernièrement. Mais laissez-moi dire tout ça le fait, il va tirer en ken crédit. Il va tirer en ken crédit. La grande question, est-ce que un monsieur qui gagne plus que 80 ans, qui gagne 39% pour Val Redding. 39%.
Et démocrate doit poser la question, est-ce que c'est meilleur ça? Est-ce que c'est ça vraiment que nous gagnons pour comme meilleur candidat? En tout cas, sondage ça yo suggérer que voteur yo gagne en pile doute sur Joe Biden. Joe Biden qui et c'est ça vous comprendre. C'est pas je dis alter dans politique, il est sénat, il fait tout un décade. Il fait presque 50 ans dans les on dit au niveau politique. 50 ans au niveau politique, il gagne 80 ans. Et question, est-ce qu'elle gagne autant d'énergie justement pour y gagner vraiment l'autre élection? Donc, mais autant de données qui fait que je vous dis, c'est avec regret pour que en pile monde a envisagé, nous bien dit, envisagé pour ta gagner le retour de Trump. Remarquez bien, nous dit c'est un poll, un sondage qui conduit par CNN. Et qui dans le sondage ça qui montrait que contrairement avec en pile rationalité Biden pas si fort que ça, le pari n'est pas gagné d'avance. Et sondage ça qui était effectivement impression que l'âge Biden l'âge li a li pesé lourd. Et ça n'est pas question l'âge mais des images parfois qu'on a gardé de lui-même. Il y a 76% d'Américains, en fait, vivent pas bon ici. Ils disent que ils ont vraiment gagné inquiétude sous cause de l'âge là. Et fait que le capable gagner sous habilité, monsieur, pour le faire 4 ans encore. Et s'il est élu. Vice-président Miss Kamala qui t'a parlé sous cause ça, il dit lui-même il a toute confiance que Biden est en forme, que le capable de faire travail. Mais que lui-même il est prêt pour n'importe condition, si tu as un contre-temps pour lui prendre place Biden. Nous voulons rappeler sur le plan administratif, okay, c'est lui qui est en seconde position. Automatiquement, Biden n'est pas capable, c'est lui-même. Mais moi je voulais dire tout. On n'a pas de sur le plan politique n'importe l'autre candidat capable dit lui pour faire face parce que ça vous comprendre démocratie gagne primaire et tout. OK, n'importe l'autre candidat qui sentit qu'il gagne répondant capable dit bon moi-même moi pour faire primaire en face Joe Biden. You know that qui on sait qu'il va c'est gouverneur California. Et vous pensez, monsieur, d'avoir le candidat, monsieur Foncampé, puisque monsieur, ils sont alliés de Biden. C'est comme on dit, bon, il y a allié Biden, moi, et Biden, là, je ne vais pas en face. Et. Ils ont même montré, c'est pas seulement et Trump, ils ont même montré à l'aide, candidat Nikki Haley, qui, devant Biden, 49-43. Non match-up. 49-43. OK? 49-43. Maintenant, mettez c'est sous clou. Si jamais quelqu'un des indépendants, l'autre après, on est en coup de Joe Manchin, ben, elle a parlé. Si Manchin a dit, bon, moi, je suis le candidat indépendant pour le président, ben, elle a gâté net. Ça nous est le third party candidat. Candidat tel parti qui pas ni démocrate qui pas ni républicain analyse avec on est ça capable enfoncer enterrer tout espoir Biden gagne et aider effectivement que nous gagnons un nouveau gagnant qui relève Trump nous bien dit tel parti c'est après que campagne cap dit on bande tel parti c'est pas le moment si tout bon veut nous contre Trump pas faire aucun tel parti quitter match à janvier OK quitter match à janvier. 44% des démocrates croient, ils sont d'accord qu'à parler. N'importe l'autre candidat démocrate capable d'un meilleur choix que Trump. OK? N'importe. Et donc, il y a 68 ça nous est l'inin démocrate voter qui dit que parti a supposé nominer un autre monde à la place de Joe Biden. Donc voilà, nous venons là justement pour nous permettre que la communauté en connaît qui c'est des immigrants pour que sincèrement, ils envisagent cette éventualité.
et que plusieurs sondages ont montré que le pari n'est pas gagné d'avance. Cela veut dire quoi? 2024-2025, oui, il y a possibilité pour nous gagner le retour de Trump au pouvoir. Nous bien dit, il y a possibilité. Nous pas venir là pour nous faire une paix. Nous pas venir là tout pour nous tant qu'on prophète. Même j'en ai déjà fait en Haïti, regarde, oh, moi-même, mais ça, bon Dieu, dit, il met tel bas, il va ça, il va ça. Il va dire, nous venons dire que Donald Trump prend le président. Mais nous venons tout simplement montrer que données, data collectées, des statistiques, des sondages faits, qui montrent que, contrairement avec en pile logique, où tout le monde a dit, bon, nest ça a déjà perdu, c'est pas ça lié. Il n'a pas déjà perdu. Il veut dire que, ou style gagne Donald Trump qui n'a bataille. Oui, oui, c'est vrai, ou style gagne yon Donald Trump qui capable venir le prochain président des États-Unis. Yeah. C'est dur, c'est regrettable, ça n'attendait à, but c'est une réalité. C'est ça, c'est une réalité. Et nous avons que la communauté a préparé à une pareille éventualité. S'il fait, j'en ai toujours dit, il fait. Et c'est pas la fin du monde. Nous te fait 4 ans encore en balle. Dis-le, le fait, non. Mais c'est une éventualité, il faudrait que nous autres nous préparions tête. Nous. Et j'en ai bon, n'arrête pas de parler. Si ça fait, j'en ai un bon monde pense que c'est catastrophe, c'est la fin du monde. Tout bagaille pour la défaite, il va comme ça. Nous te voyons que qui j'en ai donné à Trump, tape des campes de pièces, ça n'est pas capable. Il y a des juges qui sont bien placés. Il y a des. Ou ap gen ak lou bon koto, ou comprenne, qui toujours pour la bataille faire face carré avec. Nous bien dit, oh, non, possibilité que le tatoune au pouvoir. Ok, guys.